Aujourd'hui, le but de cet exercice, au-delà du scénario, c'était surtout de voir à travers nos gendarmes tous les réflexes qu'ils pouvaient avoir sur une situation complexe, de travailler avec toutes les unités de la compagnie de Pau, de travailler avec toutes les unités d'intervention du groupement. Donc on a joué avec les psychs de Pau, d'Orthez, de Loron-Sainte-Marie. C'était de voir aussi la difficulté de travailler avec tout ce monde et puis de gérer en coproduction avec les pompiers qui étaient présents aussi en nombre ce soir. Et de pouvoir jouer le corridor des victimes, l'évacuation des victimes, le plan médical, le point médical avancé. Donc ça nous a permis de faire un travail qui est intéressant, à la fois pour travailler avec les pompiers et puis avec tous les gendarmes de la compagnie. Le mec, il est dedans, aidez-nous! J'ai peur! C'est bon? Au secours! Il va tirer dessus, il est chez vous! Dans la gorge! Il m'a mis un coup de couteau à la gorge! Je saigne! Au secours! Si d'ici 50 minutes, il n'y a personne, je suis tout le monde! Je ne peux pas tirer, il y a un otage. Je ne peux pas tirer, il y a un otage. Non, je dois tirer, il y a un otage. Les gardes, je vous écoute. On a récupéré une victime. Ça a été possible de venir la récupérer, on ne passe peut-être pas. Alors ensuite, vous envoyez une équipe de pompiers. On a figé, vous avez vu là, ça descend un peu en intensité. On a un dispositif qui est complet, l'Intermarché là est hermétique. Donc, plus rien ne peut se passer à l'extérieur, tout se passera à l'intérieur dorénavant, plus personne ne peut sortir. On maintient le dispositif, on est en mesure de rentrer, on a une brèche, on a des colonnes d'assaut d'opportunités qui pourront rentrer s'il y a besoin. Levez-vous, accroche-toi, tourne-toi. Reculez un petit peu, reculez et tournez-vous s'il vous plaît. Allez, levez votre veste. Ok, vous étiez présent quoi ici? Ok, on va l'envoyer. Déjà le fait de se mettre en situation opérationnelle est déjà un élément très positif. Pour nous, c'est l'occasion aussi pour des nouveaux personnels de se former à ces situations, puis j'y reviens dessus. Sont assez spécifiques, puisqu'effectivement, c'est pas dans nos missions naturelles de porter des protections balistiques et de s'insérer dans une situation où il y a des tirs ou ce genre de situation.